Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je suis passée à Action et j'ai trouvé une nouveauté. Donc ils ont fait une petite machine à pression, un bouton à pression, et vraiment franchement j'en voulais une. Donc c'est vraiment parfait. En plus elle est dans un petit ton de rose, donc j'en ai pris deux, une pour moi, une pour Bernie. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc je vais essayer de l'ouvrir ici. Alors, je prends mon petit plastipelle. Je vais il y a encore un petit peu là. Hop. Je vais y aller doucement parce que j'ai pas envie de déchirer mon paquet. Une petite feuille pour que vous le voyez bien. Voilà, c'est vraiment très très joli. Donc à l'intérieur de la boîte vous avez le mode d'emploi. Donc on nous explique, il y a plusieurs petites parties, hein. Donc je vous la montre un petit peu. Donc vous avez, on vous montre un peu, on vous décrit un petit peu la machine, comment elle est composée, comment il faut la monter, comment il faut s'y prendre pour voilà, faire marcher notre machine. Donc, je vous ferai une démonstration. Comme j'ai l'intention de faire une petite création et j'ai besoin de pression, ça nous permettra de faire, d'essayer de faire des petites pressions. Je vous montre donc la machine en elle-même. Voilà. Voilà, ça fait une sorte de ciseau, hein. Elle doit se placer comme ça. On doit mettre le bouton ici. Et là, on doit appuyer pour mettre le bouton pression. Elle vient avec un petit tournevis. Et c'est vraiment des jolies couleurs pour celles qui aiment le rose, hein. Donc, il y a un petit tournevis pour manipuler et faire changer les différentes parties de cette machine. Et elle vient avec des pressions. Donc, vous avez une pression naturelle dans les tons argentés, une pression dans les tons de rose, on vous a mis un petit peu de violet, un petit, petit rose pâle comme ça, il y a un petit bleu, un petit jaune, des petits bleus, des petits blancs et des petits noirs. Voilà, donc tout ça forme ce paquet de chez Action, hein. Donc je vous mettrai le prix sur la barre d'infos. Donc c'est nouveau, hein, ça vient de sortir, hein, d'après la dame ça vient de sortir. Donc je trouve ça très très bien pour faire des créations. Donc si vous l'avez pas, ou si vous l'avez, je ne sais pas s'il y est sur YouTube, hein, si il y a déjà une personne qui l'a présenté, parce que je vais pas trop sur YouTube, je suis plutôt sur Pinterest, sur des petites créations. Voilà, donc je le trouve magnifique, je vous le conseille de l'acheter si vous faites des petites créations. Je pense qu'il faisait 8 et quelques, mais je vais vous regarder bien sur mon ticket et je vous mettrai sur la barre d'infos. Donc j'ai acheté ça, je me suis acheté aussi du Labello parce que mes petits enfants, il était en promotion. Je vous mettrai aussi sur ma barre d'infos le prix. Je trouvais ça très très bien parce que mes petits enfants me demandent toujours du Labello. Donc il y a plusieurs goûts, hein. Donc je trouvais pas mal, donc j'en ai pris un. Aloe de coco, l'argan, jojoba, almonde, il y a un peu tous les goûts, hein. Donc j'ai pris un comme ça, je vous mettrai aussi sur la barre d'infos le prix. Et j'ai pris aussi une boîte comme ça parce que j'aime faire des shakers, hein. Je fais beaucoup de shakers, hein, surtout dans mes créations. Donc j'ai pris un paquet comme ça, je trouvais pas mal. Je vais essayer de l'ouvrir pour que vous le voyez un peu. Et un scotch. Ah, là, je l'ouvre.
Je vais mettre ça sur le côté. Et là, à l'intérieur, il y a des petits flacons. Donc, moi, j'aime beaucoup. Donc, j'ai pris un ton de blanc. Voilà, ça fait des petits cercles. Là, il y a des petits... C'est des petits tubes. Ici, c'est des petits cercles aussi argentés. Là, c'est un peu plus blanc. Là, c'est des petites étoiles. Donc, des étoiles de différentes... dimensions. Et là, c'est des petits... je regarde ce que c'est. Oh, des petits flocons. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça assez... assez joli. Donc, je les ai pris. Voilà pour mes petits achats de ce matin à Action. J'ai passé un petit moment tout petit parfait avec vous. J'espère qu'il a été aussi agréable et que vous allez trouver cette petite machine dans vos actions. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Au revoir.